Les technologies de communication et de réseau sont des piliers essentiels pour atteindre les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, décrits dans le programme de développement durable de 2030. Le laboratoire de théorie de la communication, Hacking Abdullah University of Science and Technology, dirigé par le professeur Mohamed Slim Alouini, et le laboratoire de recherche en réseau à COST, dirigé par le professeur Bassem Chiada, travaillent sur des réseaux satellites aéroportés terrestres intégrés et des systèmes de communication sans fil optique pour offrir une connectivité globale tout en contribuant au développement numérique mondial. Leur recherche en 6G se concentre sur la réduction de l'écart entre les régions sous-connectées et hyper-numérisées en accordant une attention particulière aux zones rurales et éloignées ainsi qu'aux quartiers urbains à faible revenu ou, en cas d'urgence mondiale, comme l'épidémie de coronavirus. Cette approche a pour but de réduire les inégalités dans plusieurs domaines sociaux, éducatifs, sanitaires et économiques, mais aussi de créer de nouvelles opportunités commerciales et économiques. La nouvelle révolution mondiale de la connectivité entraînera une multitude d'avancées technologiques dont beaucoup ne sont même pas encore imaginables. L'Internet des objets va pousser nos vies au-delà du simple concept de ville intelligente. La création de villages, petites villes et banlieues intelligents pourrait même nous amener au tout début de la première contre-urbanisation mondiale des 6000 dernières années. Une répartition égalitaire des services de qualité et des opportunités d'emploi, grâce au travail à distance, donnera aux gens le choix ultime de l'endroit où vivre. Les gens n'auront pas besoin d'émigrer pour rechercher une vie meilleure, mais pourront profiter d'environnements ruraux moins surpeuplés et moins pollués, tout en profitant de services en ligne de haute qualité, dont seules les grandes agglomérations urbaines en bénéficient jusqu'à présent. La recherche dans les domaines de l'Internet des objets souterrains, de l'Internet des objets sous-marins et de l'Internet des objets spatiaux jouera également un rôle vital dans cette révolution sociale avec la connectivité mondiale 6G et les technologies sensorielles. Ils offriront des données mondiales pour surveiller le changement climatique, préserver l'écosystème forestier et montagneux, améliorer le rapport coût-efficacité et le contrôle de la sécurité alimentaire, étudier les écosystèmes marins, surveiller les plateformes pétrolières sous-marines, exploiter de nouvelles ressources naturelles et beaucoup plus. La division de Computer, Electrical and Mathematical Sciences and Engineering at COST travaille dur pour connecter les non-connectés et créer un monde égal pour tous.